Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2, l'extension 2, sur la mission 4, si je ne me trompe pas, l'esprit tutélaire. Donc, ok, c'est parti. Bonjour. Je vais là. Xol ravage le réseau neuronal de Rasputin. Et s'il fait assez de dégâts, il pourrait provoquer une réaction en chaîne dévastatrice pour Mars. Tout ce que je sais, c'est qu'il nous reste un avantage. La Valkyrie. Je n'ai jamais fait confiance à Rasputin, mais il nous faudra des armes puissantes Rasputin. Pour arrêter Xol, même si elles sont contrôlées par un esprit tutélaire. Je sais pas si je suis censé m'arrêter, hein, mais... Pour l'instant... Tout va bien. T'es peut-être censé m'arrêter, hein, mais... Surchargeons le cœur de Rasputin. Nous pourrons utiliser le surplus de là, j'étais censé m'arrêter. La Valkyrie. Je crois que c'est notre seule chance de blesser Xol. C'est pas grave. Hop. Ce que tu veux voir. Ton fusil d'éclaireur. Pensez à quoi, le pervers. Ah là là. Hop! Je te vois, toi là-bas, hein. Monsieur le planqué. Allez, décède, c'est bien. Parce que c'est comme ça que je t'aime. Oui, du coup, on est passé sur un fusil à pompe, hein. J'ai. Ouvrez les aérations des limiteurs. Ensuite, c'était du gâchis. Frappez-les avec le plus de puissance possible. Ah! Juste derrière moi, c'est ça? Ouais, voilà, ils étaient juste derrière. Coucou! Ça ne réagit pas, surtout. Bon, si t'es cave et que t'as pas voulu mourir, on va devoir s'occuper de ça assez rapidement. Ah, ah c'est d'élan. Plus, les balcons. C'est bon? À que vous êtes tous mourus? À que c'est à mon tour! Ventilateur! Tout! Alerte! Limite du réseau neuronal désactivé. L'énergie du cœur augmente. D'accord. Un déséquilibre prolongé entraînera une défaillance critique. C'est sûr que j'aurais dû faire ça ou. Nous invitons le personnel à déclencher les protocoles de sécurité. N'oubliez pas. Oui, je les ai vus à gauche. Hein. Je crois qu'ils ont légèrement réduit. Ah merde, ça c'est du gâchis. Légèrement dû réduire la portée des. Si, oh putain. Attendez, un couloir, pas ça. Ok. Oh, je l'ai encore chié d'ailleurs. Catastrophe, des grenades comme ça. Les données de ce module semblent étranges. Je dois voir ça de plus près. Perdu de cette manière, c'est du gâchis monumental. Un deuxième. Hein. Non. Bah non, bah écoute, je vais me dépatouiller. Oh merde, vous avez cassé les plateformes. Allez, une interface. Hein, oh, vous avez vu, il y a le symbole. Maintenant que le limiteur est désactivé, le réseau neuronal perd la tête. Je vais essayer de le stabiliser. Défendez la zone. Quoi? Non. Oh, merde. Bon, bah ça tombe bien. J'ai peur qu'il y en ait derrière moi aussi, bizarrement. On les a eus. Quoi? Et popez pas comme ça sur ma gueule, hein, ça va pas le faire sinon. Hop là, celle-là tu l'as senti passer, hein.
J'ai oublié comment il se mouvoie, chers amis. Regarde, j'ai la même. Des fois que tu l'as oublié. Bon, le réseau neuronal est en ligne et prêt. Et maintenant, l'aération du limiteur. Ah, j'ai plus de... Ça te dérange pas? T'es solide, toi. Quand j'ai cru voir un ogre l'espace d'un instant, j'ai fait what? Hop là. L'aération du limiteur est ouverte. C'est vrai qu'il m'avait donné, je crois, une Valkyrie, mais... J'aurais pu me défendre avec, c'est vrai. Du cœur se rapproche du seuil critique. Ah merde. Évacuation du personnel recommandé. Et c'est bien ou c'est pas bien, ça, finalement? Parce que j'ai l'impression qu'on est tous d'accord pour dire que c'est bien, mais... En termes réels, vu que moi, je suis à tout à côté du cœur, j'ai l'impression qu'on me dit pas que je vais crever. Mais tu es immortel, Marcus, grâce à ton spectre. Mais oui, il m'a pas pensé. C'est pas pour ça qu'il faut aussi se permettre de tout gâcher, hein. C'est comme ça qu'on s'est fait baiser devant Gull, hein. Gull. Gull, je sais pas pourquoi. Oh, pardon, excusez-moi, vous avez pas reconnu, les mecs. Non, mais... Vous emmerdez pas à essayer de venir, hein, je... M'en fiche un peu. Camus. T'es mort. Y'a pas d'autres à tout hasard qui veulent absolument péter sur moi? J'ai vraiment oublié leur façon de se mouvoir, hein. C'est embêtant. Apparemment, il en reste encore un. Hein. Mais il a l'air d'être assez timide. Je l'ai pas encore gâché mon truc pour rien. Hop, coucou. Ah, Done. C'est éteint. Non, c'est bon. Bon, pas de soucis. Ah oui, non, c'est... Attendez qu'on me dise de tirer dessus, mais non. Bon travail. Atteignez le cœur avant qu'il ne craque. Why the fuck not? L'heure est venue de forger une... Tic-tac, tu craques. Forger la Valkyrie améliorée. Non! Ouvre! En fait, du monde. What? Non! Non! Oh bah... Que le combat commence! Ah bah bien! Bien! J'aurais bien besoin de la Valkyrie. C'est stable, enfin presque. Mais la Valkyrie est prête. Ah! Très bien. Vous allez devoir lancer la Valkyrie dans le cœur pour provoquer une fusion complète. Hop là! Point, 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 point. Ça fait très penser à... Ah, comment ça s'appelle, Ah merde, Saints Row. Ah, a pu. Ah, que tu redonnes. A pu. Donc je la lance de là, c'est ça? Ok. Fusion complète du cœur enclenchée. Ok, non, c'est pas par là. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes trop près du cœur. La Valkyrie est surchargée d'énergie. Bien au-delà de ce que mes capteurs sont capables d'analyser. Ok, et donc? Je ne l'ai que pour 15 secondes. Hein.
Ok. Tu peux me la redonner? Non? Il est juste à côté? Vendu. Non mais oh. Peu de respect, que diable. J'ai pas dit qu'elle repousse chaque fois que je vais là. Hop. Félicité, donc allons-y. Ce cul, c'est ce cul, hein. Je vais me permettre. Là, c'est l'air chaud par là. Coucou. Coucou. Vu d'Ella. Hélas. Hélas, ce serait joli. T'es sûr que c'est par là que je dois aller? What? Oulala! Hashtag le jeu est bugué. Oui, j'ai réussi à revenir sur le haut. Bon, on a un problème, hein. J'ai plus d'objectif marqué ni rien. On va voir si j'ai loupé quelque chose, mais... Plus d'ennemis, y'a plus rien. Et la porte est complètement fermée. Ah, ça y est, nouvel objectif. Wouh. Eh bah dis donc. Joli bug, hein. Joli bug. Attendez, parce que je suis pas sûr que c'est tout à fait fini. Rejoignez vos alliés. What? Ok. Bon bah ça explique pourquoi je suis passé au travers, hein. Alors t'es quoi? Ah merde. J'allais dire t'es quoi? T'es un ver, t'es un dragon? Parce que techniquement les dragons et les vers... Eh bah finalement c'est pas si différent qu'on croit. Les dragons asiatiques sont appelés parfois l'équivalent de vers, en fait, le terme vers. Enfin bon. Je n'ai jamais rien vu d'aussi puissant. Faites bien attention. Bon, je lui fais quelques dégâts. Déjà ça. Raté. Raté encore. Allez, prends une grosse inspiration. Qu'est-ce qu'il faut? On passe. Longtemps. Essaye de rétablir le réseau neuronal. Ok, mais je crois que le boss il est bugué de la mort qui tue. Ou bête. Apparemment, je lui fais quand même quelques dégâts. Le javelot est en ligne et prêt. Le javelot. Ça y est. Putain, puis il tombe. Hein. Ok, on n'oublie pas de le toucher comme un malade. Allez, mâche le bouton, Marcus, mâche le bouton. Et 7. Attends, peut-être toucher les trucs colorés qu'il avait dans le... Hein? Leur v'là. Pop des trucs. Celle-là, j'avais pas vu venir. Hein.
Ah bah, t'aurais pu essayer de tuer tes potes. Oh, ça c'est un poil dégueulasse. Ça, je m'insurge, c'est pas bien. Ce que t'as fait là, c'est pas bien. Il devrait être mort. En fou, tu vas bouffer de mes grenades. Ah merde, la deuxième, il risque de pas toucher. C'est bon, elle touche. Garde tes hurlements de futur ex-cadavre. C'est quoi ce bordel? Et où? Il est où le respect? Qu'est-ce que? Mais t'évites de faire pop des ennemis sur ma gueule. Mais si je ne m'abuse, c'est illégal. Hop, voilà. Mais reste sur place, toi. Bonjour. Et moi, je profite pour recharger, voilà, merci. Oh, mais non, mais me fais pas tant de dégâts. Et bon, il est mort. Où t'es? Gros machin. Gros machin. Merde. Souvent quand il se met devant, c'est pas bon signe. Il aime pas, moi. Ah. Ouvre grand la bouche. C'est bon. Oh, respect. C'est tout. Bah dis donc. J'arrive pas à le croire. Vous avez réussi. Vous avez vaincu un ver divin. Nous avons tous réussi, Anna. Hein, vous avez vaincu un ver de vin. Cool. Putain, si et franchement, si tu me dis que l'extension se termine là, en quoi? En 3 heures de contenu? Et encore, je dis 3 heures, je suis gentil, en 3 heures d'histoire, de contenu d'histoire. Je peux pas y croire. Faut savoir que le Season Pass doit coûter 40 euros, je crois, hein. J'irai voir avec vous, hein, mais... Vous êtes sûr? Mais là, ça, c'est ce qu'on appelle littéralement du vol, hein. C'est le cas. On va attendre, on va voir. La famille Bray m'a conçu comme un sauveur omnipotent. Alors que votre avant-garde a tenté de m'utiliser comme une arme primitive. Aujourd'hui, c'est terminé. Et c'est moi qui définirai ma propre existence. Ouais. Ma surveillance s'étendra jusqu'aux limites de ce système et au-delà. Plus aucune menace ne pourra nous échapper. À partir de maintenant, je défendrai l'humanité à ma façon. Je suis Rasputin, gardien de tous ceux que j'observe. Je suis sans égal. Qu'avons-nous fait? Vous inquiétez pas. On va gérer ça. Dis rien, j'attends. Hop. Bonjour. On dit parfois qu'il faut faire attention à ce qu'on souhaite, car ça pourrait se réaliser. Ouais, ça me trotte dans la tête depuis que Rasputin a lancé un tout nouveau réseau de Warsat, qu'il contrôle entièrement. Peur? Ça devrait m'effrayer. Toute personne normale aurait peur.
mais pas moi. Ok. Je sais qu'ensemble, quoi qu'il arrive, nous pourrons tout affronter. Ah non, non, je crois que je l'ai fini. Zazavala, zazavala, zazavala. Hop. La lumière du voyageur ouvre le chemin à de grandes transformations. Donc on l'a fini. Plus la lumière est vive, plus l'ombre est épaisse. Quatre missions. C'est la façon dont nous foulons ce chemin qui nous définira pendant longtemps. Malgré ces incertitudes, il y a une chose qui n'a jamais fléchi. Ma conviction que vous serez celui qui nous montrera la voie. Ok, bon bah, le Season Pass coûte 35 euros. Les deux extensions coûtent 20 euros. 9,99 pour être précis. Je ne sais pas quoi dire. En tout cas, sur cette information destructrice pour le potentiel avenir du jeu, on va se laisser là, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. N'hésitez pas à la pouce, valiser, la commenter, la partager, vous abonner comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve donc potentiellement demain pour une deuxième double journée de vidéo. On verra si j'arrive à tenir le rythme. En tout cas, grosse déception sur ce jeu. Désolé. Là, je ne peux pas dire autrement. Déçu. Grosse déception.